Le samedi, le Centre culturel de Chine à Paris, décoré et rempli d'une atmosphère festive, a accueilli amis français et chinois pour célébrer le Nouvel An chinois 2016 sous le signe du singe. Cet événement fait partie des célébrations du programme Joyeux Nouvel An chinois. Près de 400 invités en tenue de fête ont assisté à cette soirée. Entrons dans l'année du singe avec le Centre culturel de Chine à Paris. Le directeur du Centre culturel de Chine à Paris, Monsieur Su Xu, a chaleureusement accueilli ses invités avec un discours de bienvenue. Il a souhaité à tous une bonne et heureuse année. Les représentants des enseignants et des étudiants du centre culturel ont eux aussi exprimé leur attente pour une meilleure nouvelle année. Cette année, le Centre culturel de Chine à Paris a soigneusement préparé des activités traditionnelles chinoises riches et intéressantes. Ateliers de mahjong, mots croisés, énigmes, lancers de cerceaux, modelage de ballons, préparation de raviolis chinois, cérémonie de thé. Au total, près de 20 activités dans le nouveau bâtiment et le bâtiment classique. D'ailleurs, M. Li Zhongyao, professeur de calligraphie et de peinture du Centre culturel de Chine à Paris, et créateur du timbre Année du singe, distribué dans les bureaux de poste français, a dédicacé ces timbres. Le peintre et calligraphe contemporain chinois M. Wu Hua a dévoilé ses créations attirant de nombreux Français. Les étudiants du centre culturel ont joué à la sitar chinoise un morceau de La vie en rose. Le public a vécu une expérience unique de mélange culturel et a aussi pu profiter d'une chorale composée des plus jeunes étudiants qui ont chanté 5 chansons. Dans l'auditorium du centre culturel, s'est tenu deux merveilleux concerts de musiciens sino-français. Les musiciens chinois et français ont conquis toute la salle. Le directeur et le vice-directeur du Centre culturel de Chine à Paris, M. Su Xu et M. Wei Jun, ensemble ont procédé au tirage au sort et ont remis les prix.
今年是猴年，猴年是一个欢乐、喜庆、幸福的年，所以我们今年的猴年活动呢，举办的异常活跃和欢快。为了把这个活动准备好，我们从一个多月之前开始准备，这活动非常的丰富多彩。从5点钟开始有游艺活动，比如说学包饺子、猜灯谜、做气球、动物等等，有演出，还有春节团拜，以及呢春节晚餐。今天的活动的人参加的比往年多，活动也比往年丰富，也非常成功，可以说呢达到了我们预期的目的。我们对今天的活动感到非常满意，我们希望通过我们的活动能给猴年春节增光添彩。我也想利用这个机会向电视前的观众，向全体的华侨华人拜年，祝大家猴年快乐，家庭幸福，万事如意，幸福安康，给大家拜年了。 Reportage par Mandarin TV.